PH Hit 2022. En hommage à l'œuvre de Georges Lucas. Dans THX 1136, le créateur de l'univers Star Wars nous décrit un univers totalement inimaginable. Une société de fourmis, manipulée par des temples virtuels, dont tous les aspects de la vie sont surveillés en permanence et la moindre dérive punie par des robots sans visage. Un univers omnubilé par l'économie, au point de sacrifier la vie des employés sur l'autel de la productivité. Un univers où les violences policières sont quotidiennes et constituent un spectacle apaisant pour des ouvriers gavés d'antidépresseurs. Bref, tout le contraire du monde dans lequel nous vivons, puisque l'abominable séquence raciste où Peter Pan danse autour d'un totem avec des Indiens du pays imaginaire a été supprimée. Rendons grâce aux vaillants défenseurs de nos libertés pour cette éclatante victoire contre l'obscurantisme et le racisme. Et en même temps, je me demande parfois si le monde idyllique dans lequel nous vivons, par la grâce du grand Jupiter, ce grand roi des frayeurs, aimé de ses sujets et redouté de ses ennemis, dont l'arrivée a été annoncée par Nostradamus dans les Centuriales, ne risque pas de brider la capacité des auteurs actuels à imaginer ce que serait notre vie si nous n'avions pas la chance merveilleuse de vivre dans le meilleur des mondes. Nous vous invitons donc à déployer des trésors d'imagination, d'humour, d'originalité et de mauvaise foi pour nous proposer vos dystopies contemporaines les plus surprenantes pour une anthologie hors du commun. Une anthologie qui alimentera les rêves et les cauchemars des candidats, des chroniqueurs de CNews et des polémistes à l'aube de l'élection probable de Marine Le Pen, vu l'état de la gauche, de la droite et surtout de la ni gauche ni droite.